entendre crier de joie ce matin. Ah, crier que l'année 2020 est finie. Amen, bientôt on va faire ce dernier dimanche ensemble. Et pour ce dernier dimanche, on va regarder droit devant. On va regarder, nous avons l'assurance de notre salut. Ce qui est derrière est passé, je sais que ça a été difficile pour beaucoup, éprouvant. Mais maintenant, ce matin, on va regarder droit devant. Et c'est notre assurance que nous allons chanter, l'assurance en Jésus. Amen. On y va. J'ai l'assurance de mon salut. À lui dire merci, commence à lui dire oui, j'ai l'assurance de mon salut et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui debout et je regarde droit devant moi. Seigneur,
Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce que tu fais pour nous. Ta fidélité est grande. Tu es le prince de paix. Oui, nous pouvons nous reposer en toi. Nous reposer de cette année et nous reposer, Seigneur Jésus, pour attaquer une nouvelle année, Seigneur Jésus. Nous avons cette assurance que tu seras là et tu seras là encore pour chacun d'entre nous. C'est vraiment ma prière ce matin que tu puisses être adoré, glorifié, loué, Seigneur Jésus. Nous voulons t'exalter. Nous voulons t'aimer, Seigneur, et c'est ce que nous allons faire, t'adorer, Seigneur Jésus. Que être reconnaissant dans nos chants, dans nos prières. Merci, Seigneur. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut
moments où les larmes ont coulé. Seigneur, merci. Oui, je veux t'adorer. Oui, je veux faire monter devant toi un parfum. Tu es mon sauveur, tu es mon roi. Oh, là-là-là-bas, là-là-bas, reçois, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, merci parce que tu es, Seigneur, le roi des rois. Comme un doux parfum. L'amour et le chant. L'amour et le chant de nos cœurs. Reconnaissez. Et une dernière fois, tout doucement, vers toi. Vers toi, c'est Dieu, Seigneur. J'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur,
ce que tu es dit. Oh, merci Seigneur. Il m'a libéré. Il m'a racheté. Amen. On va chanter ce chant. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a détesté. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son sang. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus, Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a détesté. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, tu es pour moi. Pas contre moi. En toi, je encore, tu m'as choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, tu es pour moi. Pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a détesté. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Merci Seigneur Jésus. Quelle assurance de pouvoir chanter ce chant. Toi, je sais qui je suis. Oh, merci. Restons là dans la présence de Dieu tous ensemble. Il m'a libéré. Ma dette a été payée au travers de l'œuvre de la croix. Est-ce que nous puissions chacun d'entre nous nous rappeler de là où nous étions avant? Est-ce que Jésus est venu faire dans chacune de nos vies? Est-ce qu'ensemble nous pouvons nous rappeler de cela, de se dire: Seigneur, ma dette a été payée à la croix. Tu t'es donné pour moi. Ton corps a été brisé pour moi. Ton sang a coulé pour moi, pour mes fautes, pour mes iniquités. J'étais là séparé de toi, mais au travers de l'œuvre de la croix, tu m'as racheté. Tu es venu me chercher là où j'étais. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis enfant de Dieu, libéré, transformé, lavé de tout péché. Est-ce qu'on peut rester là dans la présence de Dieu ce matin? Et nous rappeler aussi de ce texte dans 1 Corinthiens 11, au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il va prendre du pain. Et après avoir rendu grâce, il va le rompre et il va dire: prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Restons là devant la présence de Dieu. De dire: Jésus, ce pain que tu as brisé de tes mains, tu as rompu de tes mains, c'était ton corps qui, quelque temps après, va être brisé sur la croix. Cette coupe-là que tu as présentée, quelque temps après, c'était ton sang qui allait couler à la croix pour mes fautes, pour mes iniquités. Seigneur, nous voulons te remercier. Merci de la grâce, du privilège que nous avons chacun d'entre nous de nous rappeler cela et de prendre la Sainte Cène en nous rappelant, Seigneur, qu'un jour, tu as donné ta vie pour nous, pour nous. Permets à mes bien-aimés, à moi-même, de me tenir devant toi et de prendre conscience, Seigneur Jésus, que tu es ressuscité. Tu n'es pas resté sur la croix, tu n'es pas resté dans le tombeau, mais tu es ressuscité. Et tu veux vivre à côté de chacun d'entre nous. Donne-nous ce matin d'être réconciliés avec toi. Donne-nous ce matin, Seigneur, de faire le point sur nos vies. Te disant: Seigneur, si il y a des domaines dans ma vie qui te déplaisent, les actions que j'ai pu faire qui te déplaisent, alors je veux te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Et nous voulons nous rappeler qu'à la croix, Seigneur, tu as donné ta vie. Tu as fait couler ton sang. Merci, Seigneur. Merci. Et Seigneur, ce matin, je veux te présenter ce pain qui représente ton corps qui a été brisé à la croix. Merci de ce sacrifice pour chacun d'entre nous. Que nous puissions tous le prendre en nous rappelant, Seigneur Jésus, que tu n'as pas hésité à être maltraité, à être humilié, à être rejeté. Et tout ça, tu l'as fait pour moi, pour chacun d'entre nous. Donne-nous de prendre le pain, Seigneur, en nous rappelant de cela, que tu n'as pas hésité une seule seconde à te donner pour nous. Merci pour ce vin, cette coupe, qui représente ton sang qui a coulé à la croix. Merci parce que, au travers de ce sang, Seigneur, nous sommes lavés, purifiés de tout péché. Seigneur, il n'y a pas de péché trop grand que tu ne puisses pardonner. Mais Seigneur, lorsque un homme, une femme vient à toi et s'humilie devant toi, te demande pardon, alors tu es ce Dieu merveilleux qui sait pardonner. Merci pour ton pardon qui coule dans nos vies, qui coule sur nos vies et qui nous permet aujourd'hui de nous tenir devant toi, lavés, purifiés. Merci pour tout, Seigneur, tu es glorieux. Et je veux vraiment te rendre à toi toute la gloire, la louange et l'honneur. Sois béni, Jésus, sois béni. Amen. Amen. Je vous inviterai, tous ceux qui ont pensé à emmener la Sainte Cène, à commencer à prendre le pain, le vin. Tous ceux qui sont sur le net, prenez le pain et le vin. Et que nous puissions chacun de nous rappeler qu'un jour, Jésus a donné sa vie pour nous. Seigneur. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oublie, je sais.
Alléluia. 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 Le Seigneur me montre une vision où je vois une nuée sur son Église. Il y a une nuée que Dieu fait reposer sur son Église. Il dit de la même manière qu'à la sortie d'Égypte, j'ai conduit mon peuple le jour et la nuit au travers de ma nuée, de ma présence, de mon esprit. De la même manière, je veux vous guider dans les bons et dans les mauvais jours. Laissez-vous guider par mon esprit. Je vous appelle à me suivre, à me laisser vous guider exactement là où je veux vous mener. Mes enfants bien-aimés, je vous ai donné mon esprit afin qu'il vous conduise. Écoutez-le. Laissez-le vous guider et vous verrez combien vous ne manquerez de rien. Et vous verrez que même dans les moments les plus sombres et les plus compliqués, je serai toujours là à vous montrer le chemin et à vous bénir parce que vous êtes mes enfants et que jamais, jamais, en aucune circonstance, je ne vous laisserai et ne vous abandonnerai, vous dit le Seigneur qui vous aime. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui connais les cœurs des uns et des autres. Ta parole nous dit que tu ne regardes pas l'apparence, mais tu regardes au cœur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, de ton regard sur nos vies. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous et tout ce que nous pouvons chacun de nous donner, que nous puissions le faire avec joie. Seigneur, que ce soit une joie pour nous de pouvoir te donner. Seigneur, merci pour tous ceux qui te donnent. Bénis-les, Seigneur Jésus, et fais-leur du bien. Seigneur, mais tu vois tous ceux qui, aujourd'hui, ont des difficultés. Seigneur, nous te demandons dans ta grâce, viens manifester la puissance de ta présence dans leur vie. Tous ceux qui ont des difficultés financières, tous ceux qui ont des difficultés par rapport à un travail, Seigneur, que tu puisses, toi, ouvrir les écluses des cieux, les conduire sur un nouveau chemin, une nouvelle direction. Disposer des cœurs, Seigneur Jésus, pour que les uns et les autres puissent voir ta gloire à l'œuvre, Seigneur, dans autant leurs finances, mais aussi dans leur travail. Seigneur, merci, tu es fidèle et nous voulons vraiment te rendre à toi toute la gloire. Sois béni, Jésus, pour tout cet argent qui est donné. Seigneur, que ça puisse contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton règne. Seigneur, donne la sagesse à tous ceux qui gèrent cela pour que ça soit utilisé, Seigneur Jésus, pour glorifier ton nom. Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Avant de continuer avec le dernier chant, j'aimerais déjà appeler la famille Lanzafam, s'il vous plaît, de vous avancer pour la présentation. Merci beaucoup. Eh ben, on va reprendre le premier chant. Parce que vous êtes plus nombreux, tout le monde est arrivé, alors on va entendre plus de cris de joie. Amen. Vous vous levez avec moi ? On reprend ce chant. Il vit encore. Écoutez cette bonne nouvelle. On y va.